was perish and kill the thought. We would never associate with those savages. Who are you? Ah, yes, a thousand pardons. We are called El Sirup, or just El, if you please you. Like the proud no-pawn among you, we have inhabited this planet since times of antiquity. Well, well, well. Seeing truly is believing, isn't it? Who would have thought? Ils ont réussi à le détruire ? This isn't over. You cannot escape us on this planet or any other. Sooner or later, your kind will be cleansed. What? C'est quoi cette explosion ? Mr. Scolidia, now, quickly! Wouah, mais tout de suite, c'est plus simple quand il y a un scale. Il est parti en fusée. Mac, could it be? Say that leaves no question that follows here. Could they possibly know the purpose of the life hole? Maybe the whole reason we haven't found the core yet is because those scumbags already trashed it. If so, none of us would be here talking in the first place, would we? Qu'est-ce qu'il raconte? You got a point. This information doesn't leave this room. L'encyclopédie. Tu connais l'encyclopédie? C'est une base de données sur tous les objets mystérieux de Myra. Les agents découvrant des choses utiles sont priés de les enregistrer à l'intérieur. Tu recevras une récompense pour chaque objet enregistré. Récolter des informations. Assure-toi de visiter les rues de New LA. De temps en temps, tu pourras recevoir des informations utiles. Certaines pourraient même te donner des informations de secteur. Après avoir augmenté ton taux d'exploration de l'extérieur, relaxe-toi dans la ville, ok? Informations sur les sections. Comment se passe l'exploration de Myra? Souviens-toi que ton taux d'exploration peut être augmenté par autre chose que l'installation de sondes. Pour recueillir des infos sur les sections entourant un site, Frontière Nav t'aidera aussi. Essaie d'accumuler le plus d'infos possible. Meredith & Co. Il y a une nouvelle usine d'armes appelée Meredith & Co. en ville. Ils utilisent une technologie basée sur des données de combat contre des xénoformes. Plutôt cool, non? Va voir ça au terminal des UA dans l'allée des armes. Oh, c'est cool ça, ça veut dire qu'on a un nouveau style d'équipement en plus. Ah, un nouveau personnage débloqué? Elle. Ah, un nouveau personnage débloqué? Elle. Un natif de Myra. Bien qu'assez imposante d'après les mesures humaines, la carrure de Elle contraste avec sa manière de parler particulière et sa personnalité excentrique. Son immense savoir lui fait gagner la confiance de Nagi et Vandam. Elle apporte un soutien à tous ses amis, quelle que soit leur origine. Il utilise une variante unique de la classe Soldat Bouclier, d'où le Soldat Bouclier Plus. En art spécifique, il a Tempête Mentale et Dynamo Double. Big salutations à toutes et à tous, c'est JR le génie. On se retrouve pour un 16ème épisode de Xenoblade Chronicle X. On vient tout juste de finir le chapitre 4 dans les épisodes 14 et 15 de mon Let's Play. Dans le chapitre 4, on était parti à la recherche d'un fragment de l'Arche de Vie. On a rattrapé le groupe de là-haut sur Primordia avec qui on a eu une petite discussion. On a pu découvrir que lui et Elma se connaissent plutôt bien. On est ensuite parti à la recherche du fragment qui se trouve sur Noctilum. Sur la route, après m'être perdu et m'être fait agresser par tous les décors du jeu, on rencontre un nouveau camarade de route de la race El Sirup. Du nom de Elle, un mordu du savoir. On arrive enfin au fragment de l'Arche de Vie, mais malheureusement on n'est pas les premiers. Au contraire, les prônes étaient déjà là en train de détruire ce fragment. On tente de les empêcher, et là, boum, une autre personne finit le travail et explose le fragment de l'Arche de Vie. C'est l'entrée en scène de Goetia, qui prête main forte aux prônes. Une fois qu'on l'a battue, elle est secourue par un skell, du même type que ceux qui semblent être liés à la destruction de la Terre. Donc petit rapport au QG du Blade pour finir le chapitre 4. On sait maintenant que les prônes ont une grosse dent contre nous et notre civilisation parce qu'ils nous trouvent dangereux. Et enfin, on accueille parmi nous les El Sirup, dont elle qui va faire partie de notre équipe comme vous avez pu le voir. Et là, fin du résumé. On va reprendre un petit peu l'aventure, mais avant tout, un petit tour dans l'encyclopédie pour voir ce qu'il nous réserve. Ok, alors l'encyclopédie, ça a l'air d'être un recensement de tous les objets qu'on collecte dans le jeu. Voire plus précisément les objets bleus qu'on collecte sur les plaines. Ok, la case, elle me rapporte 2 points de combat.
Je vais aller voir ça. Non, pas dans les classes. Plutôt dans les arts. Ouais, 65 points. Je pense que j'ai augmenté pour tout le monde en même temps. Je vais continuer un petit peu. Ah, là, je gagne rien du tout. Ah, il y a une différence entre les cases normales et les cases étoiles. Ok, je remplis la ligne. Ah, 5 points de combat pour la ligne. Quand même. Petit tour. ...70 et 116. Ouais, je gagne des PC pour tout le monde. C'est bien ça. L'encyclopédie, c'est plutôt pas mal. Je vais continuer à le remplir alors, du coup. Pour certains objets, ça va, j'en ai une vingtaine. Donc du coup, ça se remplit plutôt vite. Ah, par contre, il y a des objets un peu plus rares. Ils doivent être un petit peu plus difficiles à trouver, ceux-là. Du coup, une ligne incomplète, ça rapporte quasiment rien. On va en profiter, hein, franchement. C'est de la récolte facile de PC. Hein. C'est tellement gratuit. Par contre, ça fait plaisir de voir une ligne complète comme ça. Il y a juste à valider. Deux PC. 5 PC. Avec un objet supplémentaire, Grenada M. Je vois pas ce que c'est, mais bon. On va essayer de voir un petit peu l'objet plus tard. C'est sympa, mais par contre, si on n'a jamais fait de tour dans l'encyclopédie, c'est long à valider. Je pense que c'est plus quelque chose que je vais essayer de remplir de mon côté prochainement. Parce que même moi là, je suis en train de m'ennuyer à le remplir là. Bon, Noctilum, je le ferai tout plus tard. Même si... Ouais, ça va, en fait. J'ai pas grand-chose en même temps sur Noctilum. Ok, cette fois-ci, on va faire un petit tour sur le terminal UA. Donc là, on peut voir que Meredith Nko est ouvert maintenant. Se concentre sur la création d'armes basées sur la technologie du ganglion. Les produits sont connus pour la maîtrise de l'éther. Tant qu'à faire, on va aller booster un petit peu ça. Ah oui, la tronche de leur équipement quand même. Série Cybrus. Des armes gravité. Série Maggie. Ah, ça en débloque pas mal quand même en fait des séries. Je continue à investir là-dedans. On va voir un petit peu la gueule de l'équipement.
Ça fait un peu insecte en fait leur casque. En mode Kamen Rider quoi. Ouais, ça a l'air d'être pas mal en termes de stats. Bon, pas ça, je vais rester avec mon équipement, ça va. Je vais rester un petit peu plus tard. On va tout de suite retourner au QG. On va voir ce qu'il nous faut pour passer au chapitre 5. Alors, installer une sonde à l'entrée d'Oblivia, donc ça c'est la troisième région, et compléter la mission d'entente volonté renouvelée. Juste deux membres requis, ok. D'accord, donc on va faire une petite recherche pour voir d'où provient la mission d'entente. Ok, je crois avoir trouvé où se trouve la mission d'entente, je vais devoir utiliser le transporteur à mon avis parce que j'ai aucun point de repère pour y aller. Je revérifie un petit instant. Ok, c'est dans la zone commerciale, on va devoir y aller. Ok, alors depuis le début du jeu, j'ai pas encore fait de tour ici. Oula, on traverse les voitures carrément. C'est bien ça, on les traverse. Hein. C'est vraiment que du décor au niveau des voitures. Par contre, rien que le quartier, il semble sympa en fait à parcourir. C'est super travaillé, je trouve. Comme ça, mis à part, on se croirait même pas dans Xenoblade. Oh, il y a une agression. Bon, essayez si je commençais à me rapprocher un petit peu de ma mission. Ah bah voilà, les points de repère commencent à se découvrir un peu petit à petit. Je suis en train de faire le tour de la même maison là. Ça donne vachement envie de se balader en fait. Ah, c'est peut-être ici. Ouais, volonté renouvelée, c'est bien ça. On doit être 3 maximum. Ok.
petites modifications d'équipe à faire. Je vais virer HB pour cette mission. Ok, c'est parti. Colonel, off duty today, Arena? Finally. I love my team, but we're together 24/7. I thought it'd be nice to grab a bite by myself, but You realized eating alone is kind of pathetic? Well, that's not exactly how I. Si, faut le dire clairement, hein, c'est ça. Too sad and lonely to eat. Tatsu can definitely help Arena there. Tatsu is happy to chew and swallow food for Arena's sake. Helpful as ever, small fry. You travel with quite the cast of characters, Colonel. Well, if it ain't Arena. That's Lieutenant Arena to you. She was a real big shot back on Earth, remember? J'ai l'impression qu'il se fout un peu de sa gueule. She's Blade now, same as us. Just another lowly stinking girl. Ouais. No better than you or me. Ain't that right, Arena? Something like that. Ah, hey, now that ain't fair. Think about it. She does pretty damn well with the hand she was dealt. Even saddled with losers like Gwyn, her team manages to pull off a mission now and then. Il cherche l'embrouille. Leave it, Arena. They aren't worth the effort. Yes, ma'am. See that? She's like a cute little puppy, all trained and everything. Yeah, you're right. Elma calls the shots now. Her and that freak show she calls a team. Beauty and the Beasts. Right? Listen, Elma, when you're ready to have a real man serve under you, call me, okay? That's enough! I was going to let you two mouth breathers off this time, but talking trash about my team and the Colonel? No way. It's time for a lesson. Oh, baby! A private lesson? Oh, this ought to be good. Let's go! Se mettre en garde ou reculer? Ah là, il n'y a pas moyen, je vais plutôt l'aider. Oh, you want some too? Come on. Didn't know you were such a hothead. I like it. Freeze, maggots. Commander Vandam. This isn't I mean we just They started it. Ouais, bien sûr. Shut your hole. I saw the whole thing, including where you picked a fight that was about to get your teeth kicked in. Now get your skinny little asses back to the barracks. Your tongues have an appointment with some toilet seats. I just can't deal with men like that. Ugh. You okay? Just forget it. Demandez à Vandam ce qui l'amène, changer de sujet. Ou insister, demandez à Irina ce qui ne va pas. On est sur sa quête à elle, je pense que je vais plutôt insister là. Why do you ask? Friend want to say Irina acting like weirdo, but not have tact like Tatsu. Right. I'll be fine. I get it. And don't worry. We can talk about it later, when Tatsu isn't around. Lindley! Lindley Cruel! Let's just drop it, okay? The commander didn't come all this way to hear my problems. All right. Actually, ah la vache, il s'en fout royalement. A new mission? Yeah. Some local indigents causing a ruckus over on the Grieving Plains. It ain't pretty. Lost a few prospectors already. Understood. We're on it. Colonel. I'd like to join you, if that's all right. Whoa, whoa, whoa. You're off duty today. I need to blow off some steam. And besides, I miss working with the Colonel. All right. We can always use another soldier of your caliber on the team. Thank you, ma'am. Ah, vous avez accepté cette mission avec Irina. Vainquez les indigènes dont le nombre augmente de façon inquiétante. Il y a 4 ennemis à vaincre.
Allez, c'est parti, hein. Niveau 18, alors pas trop de retard au moins. Un petit coup d'œil sur le gamepad, histoire de voir où se trouvent les ennemis. Là j'ai un point de repère pas trop loin, du coup je vais en profiter. Je vais en profiter pour aller récupérer les objets bleus aussi. Ça va permettre de remplir un petit peu l'encyclopédie ou même de valider quelques missions comme ça. N'empêche, mine de rien, ça me fait du bien de retourner sur Primordia. Là, je sens que je me fais pas agresser par tout ce qui bouge, au moins. Noxilob, c'est une horreur, franchement. Il y a tous les monstres qui veulent t'agresser, sur Noctilum, t'es jamais tranquille. Alors que là, sur Primordia, c'est super grand. J'ai largement le temps de me balader, de faire 3 pas avant de me faire agresser. Ou d'agresser, voilà. Bon, apparemment, c'est eux mes ennemis. On va gager tout de suite le combat. On va regarder, bien sûr. Ils l'ont pas fini celui-là. Faut que je découvre comment on donne les ordres. J'ai voulu engager plusieurs combats en même temps, mais si mes alliés commencent aussi à se concentrer sur le même que moi, ça va pas le faire. On va pas avancer assez vite. Bon, ça en fait 3, il est passé où le 4ème? Ok, et voilà, le 4ème c'est fait. Wouhouhou! Friends kicking butts today! Strange. Right? Friends saying Tatsu is strange? Well, yeah, but besides that, these creatures don't really seem powerful enough to... Ça s'appelle level 11 en fait. Ils servent strictement à rien, ce monstre. The commander wouldn't send your team all the way out here just for this. We must be missing something. Elma here. Go ahead. Ma'am, we have an emergency. Another team is under attack near your location. Ah, bah voilà. Copy that. On the way. On peut y aller à pied. Ça a l'air d'être pas trop loin. Ils dorment jamais en fait les mecs ici, c'est si on se fie à l'heure, ils sont en train de faire des missions même à 4h du matin. Ah bah tiens, voilà, un gros oiseau. There's our real target. Wait.
Wait a sec. Those are the jerks who were hassling Arena. Ah ouais. Ah, dire que vous deviez aller les aider, les sauver. Ou rester à les laisser se débrouiller seuls. Oh, je suis tellement tenté de les laisser là. Ah, c'est dingue. C'est juste parce qu'on a besoin de survivre, je pense que je vais les aider, mais... Ah, on serait dans un autre contexte, je les laisserais là, quoi. Ouais. Mais moi, je regrette déjà ma décision. Ah bah voilà, niveau 16. Oh, il est déjà tombé. Ah, c'est relou en plus un monstre qui vole comme ça. En plus, il est bien en hauteur quoi. Allez, on va terminer ça avec cette attaque. Situations like this are exactly what we're here for, after all. But you two better train harder, or you're gonna keep running into trouble everywhere you go here. Yeah, no. Ah, right. J'ai passé plus de temps à l'entraînement que à aller faire chier Irina. I'm sorry. We didn't mean anything by it. I said it's fine already. Just get home in one piece. Right. Almost worse when they apologize. Yeah, well, I'm sorry too. What for? When I, you know, hesitated to help them out. Ah, t'inquiète pas, j'ai hésité aussi. No worries. Honestly, I was thinking. What? You were? Sure, I was. A jerk is still a jerk, even if it's your job to save them. Harsh, but fair. I still can't believe how quick you jumped in to help. Well, we're the only humans on this rock. Our future depends on all of us, even dirtbags. If you look at it that way, it was a pretty easy decision. Anyway, thanks, Colonel. My head feels a lot clearer now. I appreciate you letting me tag along. Anytime, soldier. All right, let's get back to New LA. Ah. C'était plutôt rapide en fait comme mission. Vous avez tué les indigènes qui ont attaqué les agents du Blade et réaffirmé votre intention de préserver les espoirs de l'humanité sur cette planète. Oui, voilà, on a déjà la mission d'entente. J'ai appris quoi ? Art de la catégorie couteau, guérison en douceur. On peut aussi obtenir des arts avec des missions d'entente, c'est pas mal. Ah, ce qui fait qu'en fait, ça, c'est une catégorie d'art à débloquer. Alors, non, c'est pas ici. Où est-ce que ça peut être? Ah, il faut que je change de classe et je vais mettre un truc avec un couteau. Ça, par exemple. Au niveau des arts, alors, est-ce que c'est là? Guérison en douceur, si, c'est là. Régénère des PV et booste l'esquive. Esquive plus 1. Guérison de 200 PV. C'est pas fameux. Ah ouais, 200 à 240 PV. C'est pas super énorme en fait. Mais je pense que ça doit convenir pour la classe que c'est.
Bon, on va retourner dans la classe principale. Je vais vérifier que tout est ok. Ah, pour l'épée, ça a été déséquipé par contre. Je vais remettre ça. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain épisode, je vais en profiter pour aller déposer la sonde à Oblivia et aussi découvrir un petit peu le chapitre 5 avec vous. Sur ce, je vous fais plein de picapoutos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.